Eh, par ici. Chat ? J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Hé ! Tire-toi tout de suite d'ici. Dégage de là ! Dégage ! Ah mais il flotte ! Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, on va se cacher. On va se cacher. Allez ! Rien ne sert de courir. Allez, Alfie, je pense. C'est moi, je sais pas exactement. Normalement c'est bon, les craintes augmentent par contre. Ok. Oh les bâtards. Allez. Ne foire pas. Ne foire pas. Ok. Wouah. Ok. Alfouille, c'est à toi. C'est bon. Ouais, par contre, il est stressant, le bordel. Ok. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Allez, Alfouille. C'est bon. Bon, on est bientôt tranquille ou c'est qu'on est pas encore là? T'arrêtes pas, fonce. D'accord, donc si je foirais, je pense que la prémonition, ça m'emmenait à ça, en fait. J'aurais m'éclaté la gueule. Non. On dirait. Taylor ? Taylor ! Est-ce que c'est bien toi ? Tous dans l'église ! Vite ! Hé ! Mais parlez-lui, bordel ! Parlez-lui ! À l'intérieur ! Allez, plus vite! Vite! Entre vite! Ah, il le voit pas, lui. Hey, ce truc est juste derrière toi! Je suis en train. Il est derrière nous! Non, 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 non. On se dépêche! Non, c'est mort. Mais vous êtes dingue! Vous avez envie de vous faire tuer? Oh, très vite. Je vois pas pourquoi je tirais, lui ne voit rien. Tant que j'ai pas vu, tant que je l'ai pas vu se faire découper devant mes yeux. Oui, Angela. Pour moi, il y a possiblement rien. On n'a rien pu faire. Vous plaisantez? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer, ou nous la rejoindrons. Merde. Cherchez d'autres entrées et sorties, fermez-les toutes. Merde! Aide-moi à barricader cette porte. Mais attendez, mais c'est peut-être le frérot derrière, non? Je comprends pas. Hé hey. Ah oui. Hé hey. Allez, ouvrez-lui, ouvrez-lui. Ouvrez-lui. Il y avait rien. Que fabrique ce vieil imbécile encore dehors? J'ai l'impression qu'il nous suit. Quoi qu'il puisse vouloir, nous devons nous méfier. Je sais que vous êtes là! Bon sang, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il va attirer cette chose droit sur nous. Il ne se rend pas compte du danger qui nous menace. Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Il ne faut pas que vous restiez là. Partez ou vous le regretterez. Fichez le camp! Pas avant de vous avoir vu en face. Alors ouvrez-moi! Il pourrait nous aider, bah oui. Il pourrait nous aider. Pour l'instant, il n'a pas l'air bien méchant. Idée. Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? On a été attaqué. Cette chose sortait tout droit d'un cauchemar ou d'un film d'horreur. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Vous vous êtes cogné la tête? Ok, vous devez nous aider. Ça sert à rien. Vous devez nous aider. Pitié, nous ne savons plus quoi faire. Je me sens pris au piège dans cette ville. Je sais ce que c'est, oui. Je vais chercher de l'aide. Oula. Ouais, bon, il reviendra jamais. Très bien.
Eh bien, on n'en saura pas plus. Cette chose dort. Elle joue avec nous. Pourquoi ces choses? Ces saletés de créatures essaient de nous tuer. Si je le savais, là peut-être on pourrait les arrêter. Professeur Andrew! Ça y est, à moi. Le prêtre, révérend, quoi qu'il soit, lançait des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Encore un procès? Bah cette fois, et ça en prenait la direction. Et la petite? Marie? Ouais. Je l'ai vue aussi. Sommes-nous à l'abri? Quelqu'un a vu d'autres entrées? Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Ce truc est encore là. Ah. Là, regardez. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Gardez la porte, au cas où ce truc revienne. Petite, tu es là? Peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un joug que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi? Le juge Wyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. Non ! Non ! Ah ! Regarde ! Vois qui tu voulais que j'épargne ! Comprends qu'il n'est plus de ce monde ! Seuls les démons et le diable résistent à de telles forces ! Il était là! Je le tenais! Il était juste là. Et j'ai rien pu faire. Alfouille est Daniel et je suis Taylor. Je suis désolée que t'aies dû vivre ça. Moi, ça m'a foutu en l'air.
Merci. On est toujours en vie. Continuons. Pourquoi Marie voulait-elle qu'on voie David se faire exécuter? C'est pas logique. On a dû rater une pièce du puzzle. Laquelle? Je sais pas. Marie, la première fois, j'ai cru la reconnaître, comme un déjà-vu. Pareil. Je l'ai déjà vu. Mais où? Ah oui! Mais voilà! Le truc qui nous poursuit! Venez! Ah mais c'est Angela! Elle était tombée dans le lac, parce qu'elle a les mains attachées et tout. Mais elle a la peau un peu pourrie aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, avec ce truc dehors? Silence. Il est dehors. Je l'entends. Il est dehors, pour le moment. Mais s'il décide de venir nous chercher? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, une église, ça peut l'arrêter. Sérieux? Tu crois que c'est un vampire ou quoi? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. Allez, on va penser à tout le groupe. C'est pas une si mauvaise idée de rester ici, en fait. Vous croyez que c'est plus sûr? Nous restons ici. Pas le choix. Fais pas le con. Ok, vous avez peut-être raison. Peut-être qu'il va se lasser et partir. On n'a nulle part où aller. Ok, trouver une autre issue ensemble. C'est le double d'Angela hein, qui nous poursuit. D'ailleurs, Angela, plus de son, plus d'image, et ça, c'est relativement terrible. Mais c'est pas bien grave. Si, c'est embêtant, mais je pense qu'on va la retrouver. Après, est-ce qu'elle nous veut on vraiment du mal? Il y en a plusieurs. Putain de merde. Écoutez. Ok. On sait pas, parce que pour l'instant, rien n'a été fait. Oh, une belle lettre. Une âme divisée. Dans le verset 12 du chapitre 4 des Hébreux, on peut lire « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. » Généralement, nous utilisons les mots âme et esprit indifféremment. Ils font partie de notre être et nous composent, bien qu'étant invisibles. Du point de vue biblique, ils sont différents. L'esprit est notre force de vie. Il fait partie de nous et est rendu pur grâce au sacrifice de Jésus. L'âme est ce qui nous rend unique. Par exemple, notre personnalité, nos pensées et nos attitudes. L'esprit et l'âme peuvent disparaître similaires. Peuvent paraître similaires. Mais Dieu et Satan sont capables de séparer le pur esprit de l'âme, souvent imparfaite. Cette dualité est essentielle à la compréhension des Saintes Écritures. Il existe une divergence entre l'esprit et l'âme. Nous sommes divisés bien malgré nous. Notre esprit est pur. Aux yeux de Dieu, nous sommes innocents. Mais notre âme, composée de ces choses qui insèrent notre cœur, a besoin qu'on lui rappelle qui nous sommes en esprit. Elle doit être purifiée. Seul l'isolement et le sacrifice nous garantiront la pureté. Y a quelqu'un qui tire ou quoi, les gars? Il se passe quoi, là, les frères? Ok. Eh bien, écoutez, c'était bien long, mine de rien, à lire ce petit truc. C'était très sympa. On a lu un livre. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ok. Dieu nous a abandonnés. Oh, on n'est peut-être pas à l'abri ici. On n'est peut-être pas à l'abri. Alors, attendez, bougez pas. Ok, ça c'est bon ça. C'est des très beaux dessins en plus. D'accord. C'est le QG des sosies ici. Ce prêtre est le portrait craché du révérend Taré. C'est incroyable. Oui, j'avoue que c'est trop. Il y a que des sosies. Terrible. Là, on peut aussi, on peut. Hop, 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 hop. Ok, on va en apprendre beaucoup. On va pas tarder à se lâcher aussi. Il y a eu 2 épisodes de tournée en 1, vous l'aurez compris. Ok, une carte postale.
Un trou ? Tu parles d'une prémonition, frérot. J'en sais pas de ça. Ok. Sinon, on peut très bien partir, non ? Je sais pas. Putain ! Putain, je me tire d'ici ! Courez ! Ah ! Je me retrouve toute seule. Ok. Ok, ok. Y'a quelqu'un ? On va aller sur ce petit panneau. Un panneau, c'est toujours bon signe, peut-être ? Non, je ne sais pas. Là, je pense qu'à mon avis, Alfouille doit faire sa scène. Et je sais pas ce qu'il est en train de vivre, ça doit être terrible. On va tous y passer un par un, de toute façon. Hein. Nos sosies du passé sont tous morts. Et on pouvait pas les sauver, vu qu'ils sont déjà tous morts. Ok. Je sais pas. Je sais pas du tout. Il joue qui, d'ailleurs ? Il joue Andrew ou il joue Daniel ? C'est pas vrai. Je pense qu'il faut juste attendre que Alfouille ait terminé sa scène. What? Oh non. Aller à gauche ou aller à droite ? Est-ce que c'est toi ? Je suis là ! Ah ! Coucou ! Là, je vois pas ce que ça peut être, vu que ça m'étouffe quand même, hein. Ah, vous voilà enfin. Je suis soulagé. Bon, on est tous nous là. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Ok, de toute évidence, ça a quand même l'air méchant. Bon, je suis à demi-mot rassuré. Je dois m'arrêter. Faut pas qu'on traîne. Allez, attends. Il en peut plus. Sérieux ? C'est nous que ces trucs veulent tuer. Alfouille, pas toi. Joue, je suis John. Faut pas rester là. Ah oui, aucun de nous est à l'abri. On est tous en danger. C'est certain. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je n'en suis pas sûr. On devrait se poser un peu. Dormais ? Impressionnant. Oh non. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé. Mais je voudrais bien, je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici ? On est coincé. Cette brume nous encercle. On est coincé.
On ne peut pas rester ici. Il faut qu'on détermine d'où vient cette fichue brume. Je crois que l'enfant, Marie, peut nous aider à retrouver notre chemin. Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider. Ouais, ok, mais... qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille? Celle qui arrête pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre. L'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Où? J'en sais rien. Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça. Il faut qu'on arrête cette gamine. Mais comment? Elle est peut-être même pas réelle. Et on lui dit quoi? Hé, hey, s'il te plaît, arrête de nous faire psychoter. On doit essayer. Il faut le faire pour nous et pour les autres. Marie est la clé de tout ça. Ça ne fait aucun doute. Ok. Si on arrive à l'arrêter, tout sera enfin terminé. Oui, si on la revoit. Rien n'est certain ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Mes yeux se sont mis à brûler tout d'un coup. Mais ça va mieux maintenant. C'est quoi? Chut. Oh non, ce machin est revenu pour m'achever. Non. Ne tire pas. On va se faire repérer. Range-moi ça tout de suite. Il nous a déjà rattrapé. Non. Alfouille, fais pas le con. Tant que tu ne vois pas, on ne tire pas. Non, 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 non. Non, 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 il y a un bail. Fais pas le con. C'est bon, voilà. Voilà. Tu pourrais arrêter de pointer cette arme sur moi. Angela. Let's go. Je pensais ne jamais vous revoir. J'étais sûr qu'on vous avait... perdu. C'est juste... enfin... on est content de vous voir. Allons, vous allez me faire rougir. Mais merci. Vous êtes coriace. C'est sûr. Vous êtes une vraie dure. Toute l'équipe est réunie? Vous avez trouvé tout le monde super. C'est eux. Ce n'est pas moi. Pour l'heure, l'important est de vous mettre en sécurité. Allez. On a vu d'autres de ces créatures pendant votre absence. La chose qui m'a poursuivie était horrible. Et apparemment, il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Oh, j'allais oublier que j'avais ça. Je suis ravi de vous les rendre. J'ai eu assez peur de ne jamais pouvoir. Merci. C'est très aimable à vous. Oh. Un verre est cassé. Je devrais peut-être casser le deuxième pour m'épargner toutes ces horreurs. Je ne suis pas sûr que ça nous aide vraiment à sortir d'ici, mais l'idée me plaît bien. C'était quoi? Je sais pas. Ça ne venait pas de loin. Il faut continuer. Je vais vous aider. Oh non! Alfouille est en joue, je suis Daniel! Ok, bon, on va essayer de pas se foirer, putain. Oh non! Attends-moi! Mais bien sûr, secourir, évidemment!
Vous êtes malade ou quoi? Non, t'arrêtes pas, fonce! Mais ça nous ramène pas au point de départ, là? Peu importe, faut pas qu'on s'arrête. Ok. Allons, reste focus. Doucement! Vas-y! Cet épisode est interminable. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Andrew? T'es là? Daniel? Et alors? Ok, le combat? Ça me plaît? C'est la prémonition! J'ai parlé trop vite! Tiens bon, Taylor, il faut que je l'aide! Ok! Je sais pas s'il a foiré. Ok, esquive! Voilà, ça c'est dans la jambe, ça! Double esquive! Taylor! Ah, elle fait chier, elle, hein! On va peut-être la laisser finalement! On fait pas le compte, putain! Oh, il a tiré! Ok, il a quand même tiré. On est ici. C'est bon, c'était pas un 2. Ça va. Qu'on soit sorti de là indemne, c'est un miracle. Te réjouis pas trop vite. On est toujours coincé dans ce trou paumé. Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. On doit partir, et vite. Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées. Et pour l'heure, vos élèves ont tous échappé au pire des sorts, la souffrance éternelle. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume? Il y a comme un air de foire des ténèbres. Et on va s'arrêter là. Il faut trouver la petite. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode. Donc il y a eu 2 épisodes en une tournée incroyable. N'oubliez pas les j'aime et les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir les vues alternatives. Je vous fais des bisous et je vous dis... à la prochaine, portez-vous bien! Ciao, ciao!